Alors, j'ai 9 ans, je range l'armoire de ma belle-mère parce que j'avais l'habitude de nettoyer chez mon père. Hein. Quand on est jeune forain, c'est ce qui se passe. En fait, on apprend très vite à être une femme. Je suis en train de ranger l'armoire de ma belle-mère quand je découvre, dissimulé sous une pile de vêtements, un bout de papier journal où il y a écrit que un bébé a été démembré, électrocuté et jeté par la fenêtre. Donc, par curiosité, j'ai voulu lire. Je pense que c'est la première fois que je lisais vraiment quelque chose. J'aurais peut-être pas dû, voilà. Et voilà, c'est là où j'ai appris qu'en fait, ben, il s'agissait de ma mère, l'histoire parlait de ma mère. Une fois que je suis retournée chez ma maman, j'aimais faire la java, hein, comme toutes les jeunes filles, sauf que moi, j'ai jamais été comme tout le monde et j'ai toujours eu tendance à en faire plus. Et oui, effectivement, je suis très vite tombée dans la drogue. Évidemment, quand on a 14 ans, à la base, on n'est pas censé fumer. Déjà, juste la cigarette, c'est déjà un drame. Aujourd'hui, si je devrais voir ma petite sœur fumer à 14 ans, j'aurais pété un câble. Et là, c'était carrément le joint. Donc, on va dire que oui, c'était assez compliqué de mélanger mes études et le cannabis. Ça n'a pas eu un bon effet sur moi.